Ion Barbu, directeur de recherche à l'Institut de recherche forestière en Roumanie. Depuis 45 années, je travaille dans le cadre de la station expérimentale pour la sylviculture de l'épicéa. Ce travail consiste à identifier les problèmes d'histoire et de gestion des forêts dans les siècles avant et d'identifier les problèmes actuels pour mieux gérer les forêts dans le bénéfice de la société. La forêt roumaine a peut-être ses particularités par rapport aux forêts de l'Europe parce que premièrement, nous nous trouvons ici dans l'est de l'Europe au carrefour des divers climats et surtout sous l'influence des climats continentaux. Compte tenu du relief de la Roumanie et la diversité des écosystèmes qui sont induits par le relief et le sol, du delta Danube et jusque dans les Carpates, on a une diversité énorme des écosystèmes et des forêts bien sûr. Les principaux forêts de la Roumanie se trouvent maintenant dans les Carpates, mais pendant le Moyen Âge, les forêts de feuillus et spécialement des chênes et de hêtres ont occupé des surfaces importantes dans les zones des collines et des plaines de la Roumanie. Concernant leur histoire, bien sûr que la Roumanie se trouve ici dans l'est de l'Europe au carrefour des intérêts économiques, politiques, religieux et sociaux très très importants et comme suite, les forêts ont subi des influences très très fortes dans le passé. L'une de ces influences vise le défrichement des forêts dans la zone de plaine où les Turcs, les Tatars et avant les peuples migrateurs se sont installés pour des centaines d'années et venant des steppes de l'Asie, ils n'aimaient pas les forêts. Pour le peuple romain, les forêts ont représenté, si vous voulez, leur cadre de développement dans les périodes tristes et d'invasion qui ont duré souvent des dizaines et des dizaines d'années. En ce qui concerne le développement durable et la gestion durable des forêts, il faut noter que cette notion pour le public large est assez nouvelle. Et après Rio, 1992, ça a diffusé dans toutes les sociétés et on discute de plus en plus de développement durable, de gestion durable des ressources. En réalité, les forestiers ont été mis dans la situation de faire une gestion durable, c'est-à-dire assurer avec continuité la production du bois et des fonctions que la forêt donnait pour la société depuis longtemps. C'est pourquoi cette notion n'est pas nouvelle pour nous les forestiers et les forces que nous faisons un peu partout pour gérer les plans de gestion, c'est-à-dire plans d'aménagement forestier, nous permet d'organiser et de gérer d'une manière cohérente toutes les forêts dans leur diversité des espèces et des compositions, des structures d'âge et d'attente de la part de la société pour être à l'attente de tous les groupes qui font attention à la forêt et au mode de gestion de la forêt. Depuis longtemps, la forêt a représenté, si vous voulez, une ressource très importante pour assurer d'une part des matières régénérables, c'est-à-dire le bois, et non seulement le bois, la résine, et tous les produits complémentaires de la forêt, des fruits, des plantes médicinales, des champignons, du gibier bien sûr. Et la gestion des forêts pour assurer cette diversité de production a été faite après les critères et les principes basés sur une recherche scientifique. Au début, la recherche scientifique dans la foresterie visait seulement quantifier la possibilité et la capacité de production de forêts. Après ça, on a diversifié toutes les sortes de la recherche pour mieux assurer la valorisation des sols et des climats d'une région avec des espèces les plus adaptées aux conditions locales. En termes de biodiversité, nous pouvons dire que le grand avantage de la forêt roumaine est la naturalité des forêts roumaines.
par rapport à d'autres forêts d'Europe et d'Europe centrale plus particulièrement, les forêts roumaines ont été très peu influencées dans leur composition par la gestion forestière. Donc, on estime à plus de 80% des forêts ayant une structure naturelle au moins dérangée du point de vue de la composition et seulement 20% des forêts qui ont été changées dans leur composition. Il s'agit des forêts alluviales autour des grands fleuves et des grandes rivières de Roumanie qui ont été plantées avec du peuplier hybride, peuplier noir, et des cultures des résineux pour assurer à l'époque l'industrie du cellulose et du bois. Mais leur effet est assez réduit au plan général de la gestion forestière en Roumanie, ce pourquoi on peut dire que la biodiversité est conservée dans des structures presque naturelles, parce que les principes de base dans la gestion des forêts a été basé sur le slogan « Imiter la nature, hâter son œuvre ». Donc, cette principe a été utilisé par les forestiers et par les gestions de la forêt dans les dernières deux siècles et les résultats sont visibles même aujourd'hui. Le thème de changement climatique est un thème moderne, actuel et bien sûr qui préoccupe tout le monde, non seulement les forestiers. Mais compte tenu de la vie de la forêt, qui dure souvent des centaines et des centaines d'années, il faut noter que faire face au changement climatique, c'est une provocation à laquelle les scientifiques, les gestionnaires et bien sûr le public large doit faire attention. Les changements qui ont subi les forêts européennes et mondiales bien sûr dans les dernières 100 années, contenant des modes dans ce qui concerne la structure et la productivité des forêts, ont déterminé des changements souvent difficiles à interpréter dans ce qui concerne la composition des forêts. Par exemple, en Allemagne, plus de 75% des forêts sont dominées par des résineux, mais introduits à la place des forêts de hêtres et de sapins et de chênes qui autrefois dominaient les paysages allemands. Donc, faire face au changement climatique dans ces conditions, c'est difficile parce que ce n'est pas seulement le climat, parce que le climat c'est une notion assez aride, difficile à expliquer pour le public large. Il s'agit des valeurs moyennes, des paramètres de temps dans une place sur le globe. Mais la variabilité des paramètres du climat, c'est-à-dire des températures extrêmes, des précipitations, du vent, des extrêmes généralement parlant, c'est beaucoup plus important que la valeur moyenne. Même si la valeur moyenne a monté d'environ 1 degré dans les dernières 100 années, les effets de cette modification de la valeur moyenne sur les extrêmes climatiques sont visibles déjà, et faire face à ces modifications représente faire face à des modifications dans tous les contextes écologiques dans lesquels les forêts vivent. L'apparition de certaines maladies ou des insectes qui autrefois étaient présentes seulement dans la faune de la région et maintenant se manifestent comme ravageurs importants dans nos forêts montre, si vous voulez, l'inadéquation des mesures de gestion appliquées antérieures dans nos forêts. Revenant aux forêts de la Roumanie, le degré élevé de naturalité. La régénération naturelle, c'est le processus le plus important pour assurer les générations futures de forêts. Et ça, c'est un enjeu, si vous voulez, où on conserve la valeur génétique des espèces bien adaptées aux conditions locales et qui font face à ces changements climatiques sur lesquels on discute maintenant. Bien sûr, cet changement climatique n'est pas pour la première fois présent dans nos régions, c'est pourquoi la forêt a dû faire face pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années après la dernière glaciation
à des changements très très importants. L'effet de ces changements, premièrement, c'est dans la migration des forêts à la montagne, dans les altitudes plus hautes. On observe déjà une migration en altitude, mais on est encore pas très sûr si ça c'est dû à l'abandon du pâturage ou au changement de température, plutôt dans l'étage alpin, soit alpin, et l'utilisation des espèces adaptées aux conditions, c'est la solution la plus acceptable pour s'assurer que dans l'avenir, les générations futures bénéficieront des mêmes services générés par la forêt. Même si la composition des forêts sur une zone sera changée, l'utilisation des espèces adaptées, c'est la garantie de la perpétuité de la forêt. Mon message est un message d'optimisme. Généralement parlant, l'homme est habitué à présenter d'une manière dorée le passé et de voir apocalyptique le futur. Non, mon message est un message optimiste. Nous avons la possibilité, la capacité de comprendre tous ces changements, non seulement les changements climatiques, parce qu'il s'agit d'un changement global, changement dans l'utilisation de terres, changement dans les technologies avec lesquelles nous obtenons les produits de base, les changements dans les technologies industrielles ont été conçus pour vivre mieux. Nous sommes sûrs, moi personnellement je suis sûr et j'assure la génération future que la nature restera dans des mains des gens suffisamment intelligente pour que la catastrophe que certaines ont prédit, et ça depuis longtemps, même Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, ça a été assez dur, mais jamais réalisé. Donc nous espérons que tous les scénarios apocalyptiques concernant le futur de la nature, le futur des forêts en Europe et un peu partout dans le monde ne sont pas réalisables et l'homme a la capacité de mieux comprendre qu'est-ce qu'il se passe et de trouver des solutions. Si ces solutions ne sont pas trop chères parce que le coût de stopper le changement climatique est un peu trop dur à supporter pour les pays en développement.